focus sur les œuvres de Adrien Neggioni, qui propose dans le cadre de l'exposition Interférence, trois installations dédiées au silence. L'œuvre Idée blanche est une installation minimaliste réalisée en 2018. Il s'agit d'un triptyque conceptuel unifiant à la fois la lumière blanche, le bruit blanc et une feuille blanche. Le bruit blanc, à l'instar de la lumière blanche qui contient l'ensemble des spectres lumineux visibles, réunit l'ensemble des fréquences audio audibles par l'oreille humaine, allant de 20 Hz à 20 000 Hz en un seul son. L'expérience est unique, puisqu'il s'agit d'un son de synthèse n'existant nulle part à l'état naturel. La tonalité qui résulte de cette recherche est constante et traînante, elle ne varie pas, ne s'exprime pas et n'est pas construite pour être appréciée. De manière symbolique, la feuille blanche en A4, un format standard et universel, sert de premier réceptacle vibratoire de ce nouveau-né sonore, comme elle le fait pour toute idée novatrice et tout concept en devenir dans le monde entier. À un niveau décibel très faible, le public est invité à s'approcher et coller son oreille pour mieux le percevoir. L'objet est suspendu, comme si l'artiste avait souhaité déconstruire et élever le décor usuel dans lequel nous le rencontrons ordinairement. Impossible de gribouiller sur la feuille dans ce contexte. Cette installation, telle une référence retentissante au carré blanc sur fond blanc, réalisée en 1918 par Malevitch, s'inscrit comme une première tentative d'œuvre monotone. Le visiteur, prisme de cette installation, se trouve face à un semblant de rien où toute projection mentale est permise. À travers cette lumière blanche, toutes les couleurs existent. À travers la page blanche, toutes les idées commencent. À travers ce son blanc, tous les sens sont en puissance. L'artiste invite, à travers les installations vestiges du vide et pleine vacuité, à une écoute, ou plutôt une contemplation du silence concret et naturel, enregistré in situ, mais aussi artificiel et simulé scientifiquement. Le vestige du vide expose une bande sonore captée au Centre Wallonie-Bruxelles il y a quelques mois, pendant la nuit, alors que l'espace est concrètement désolé et désinvesti de présence humaine. Un geste de captation et d'amplification des sons est employé par l'artiste dans ses œuvres et permet de valoriser les bruits fragiles du silence, omniprésents et révélés par l'absence des bruits identifiables du quotidien, plus provocateurs et orgueilleux. Ainsi épurée de toute pollution sonore, la bande d'enregistrement exploitée a la finalité d'absorber le patrimoine sonore du lieu, son corps acoustique et atmosphérique. Ici, il nous est donné d'observer une triple structure d'aspect tronqué, composée de socles en béton et de barres d'acier, qui enveloppe 120 enceintes disposées en opposition de phase. L'inversion de polarité utilisée dans le branchement des enceintes et leur positionnement face à face devrait provoquer, d'après les lois physiques, une soustraction des ondes acoustiques. Une topographie des sons s'en trouve ainsi créée et la déambulation entre ces structures peut engager chez le spectateur des impressions de dénivelé et de malléabilité dans les sons selon sa posture dans l'espace. Les colonnes, pareilles à des ruines encore debout, opèrent un jeu symbolique sur l'idée de traces laissées, de changement d'état et d'existence concrète passée ou en devenir. Ce qui reste le plus fréquemment dans les ruines, ce sont les pieds fondateurs qui semblent ici soutenir du vide. Elles deviennent les interprètes du silence du Centre Wallonie-Bruxelles qui, une fois manipulées jusqu'à une forme d'abstraction, acquit une nouvelle échelle d'importance. De même, l'œuvre Pleine vacuité est basée sur le même phénomène d'annihilation des ondes sonores inversées utilisant deux enceintes aux extrémités d'un tube en verre et qui diffuse des captations du silence présent dans la salle d'exposition. Le tourbillonnement du son dans le tube de verre donne une autre qualité et une rondeur à l'écoute. Au centre du tube, les ondes en opposition de phase se font parfaitement face et s'effacent totalement, créant un vide sonore. Du moins, idéalement, car l'utopie du silence total reste inatteignable pour l'oreille humaine, qui reste prisonnière de notre présence et de nos propres sons. Pour excuser la vanité de ses recherches, l'artiste a placé un élément qui vient perturber ce semblant de perfection dans le tube,
une montre mécanique défectueuse, offerte à l'artiste par son frère horloger et qui peine à trouver son temps. La trotteuse, qui ne cesse de faire marche arrière, illustre de façon poétique l'échec de l'artiste dans sa poursuite du silence absolu et plus généralement nos faillibilités d'être humains.